organiser nous-mêmes un faux train de déportation. On ne peut pas faire disparaître des villages entiers sans que personne ne s'en aperçoive. On ne va quand même pas croire un fou, non? On serait les déportés et les Allemands. On va l'acheter chez le marchand, wagon par wagon, et on va le mettre sur le rail. Qui va être nazi? Je veux dire allemand. Rabbi, moi, je suis prêt. Vous situez un peu la Palestine, ce n'est pas la porte à côté. Elle fera le tour du monde, Rabbi, je vous le dis. C'est bon, Michaï ! Passons ! On se déporte nous-mêmes, il n'y a pas pire comme bêtise. Qu'il nous déporte, d'accord, mais qu'il se fatigue. La seule chose que je vous demande pour parler parfaitement allemand et perdre complètement l'accent yiddish, c'est d'enlever l'humour. Ce n'est pas allemand qui veut, c'est allemand celui qui le mérite, celui qui a fait des efforts pour le devenir. Je voulais être rabbin, mais la place était prise. Comme il manquait un fou, je me suis dit soit le fou, sinon c'est eux qui vont devenir. Je ne sais pas si les Allemands de profession israélite doivent être considérés comme des nazis ou comme des juifs. Génial, quelle idée. Celle-là, c'en est une. Schlombre, tu finiras riche. Comment tu t'appelles? Mon routine. Retenez ce nom.